On en a parlé un peu plus tôt, hein, en début de bulletin, avec Raymond Fillon à Ottawa. Le sommet national pour contrer les vols d'auto est débuté maintenant. Et sur le terrain, ben, les gens attendent avec impatience des mesures concrètes pour régler le problème, amenuiser le problème. D'ailleurs, Yves, vous vous trouvez actuellement chez un concessionnaire. Et ce concessionnaire-là, ça nous donne une idée de l'ampleur de la crise. Là. A vu des cambrioleurs venir chez lui 3 fois là, récemment. Oui, on est en bordure du boulevard Taschereau à Longueuil en ce moment, Michel, effectivement. Vous allez voir apparaître dans quelques secondes des vidéos de caméras de surveillance. Mais juste pour vous dire que Rémi Ouellette, en l'espace de 13 mois, a vu 3 fois des voleurs entrer chez lui, essayer de voler des autos ici chez Auto Élégance Select. Il défonce la clôture, notamment, Michel, avec une voiture volée. Ensuite, il brise la porte d'entrée du bâtiment commercial où on retrouve les bureaux des vendeurs. Et ils ont saisi des clés. Mais heureusement, les policiers de Longueuil sont intervenus rapidement pour les empêcher de fuir les lieux avec des véhicules dont certains ont une grande valeur. Je vais faire entendre M. Ouellette, que j'ai rencontré il y a quelques minutes à peine. Ils ont défoncé 3 fois ici pour récupérer les clés, voler les véhicules. Ils cherchent surtout les véhicules de marque Honda, Toyota, Lexus ou les véhicules de luxe de marque Audi. Oui, ici, ils ont été arrêtés, effectivement, avec les caméras, nos vidéos. Ils ont pu retracer les personnes qui ont été arrêtées. On dit que les vols d'auto, c'est un fléau. Tantôt, j'ai regardé très rapidement, Michel, sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé 2 publications qui vont apparaître à l'écran. Ce sont des gens découragés qui, au cours des dernières heures, des derniers jours, se sont fait voler leur auto. L'un d'entre eux dit que ça s'est passé devant une école ce matin et l'autre, c'est une femme qui dit que son RAV4 a disparu de chez elle. C'est dans le quartier Sainte-Rose à Laval. Et je termine en vous disant que j'ai reçu des informations de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. On me dit, Michel, que l'an dernier seulement, il y a 20 de concessionnaires qui ont été victimes de vols avec un coût moyen des sinistres s'élevant à près de 85 000 $. Alors voilà pour l'état de la situation ici. Je continue de rencontrer ces concessionnaires et particuliers qui ont eu affaire avec ces voleurs tout au long de la journée. À plus tard, Michel. Merci beaucoup, Yves. À suivre donc sur les ondes de LCN cet après-midi.